pouvez lever le ballon avec le pied faible, avec le pied fort pour mettre sur le pied faible, à sachant que vous n'avez droit que un rebond au sol. Vous avez que ce rattrapage. D'accord ? Ici, ça va être accepté. Vous avez compris pour ça? Derrière les lignes. Ok, système de jeu 3 et 2, mais surtout quand on n'a pas le ballon. On se replace 3 et 2. Ok, après, offensivement, soyez libre de balancer les joueurs devant, vraiment au dernier moment. Ok, allez. Allez, au milieu. Le touche. À partir de maintenant, c'est une touche de balle. Comment vous avez trouvé? Vous êtes arrivé? Pourquoi? Quand on trouvait la profondeur, c'était tout le temps des ballons gros. C'était tout le temps des ballons? Des ballons gros. Oh, je vois rien, quoi. Il y en a un qui décroche. Ouais. S'il y en a qui décroche. Voilà. Moi, j'avais des bleus et j'ai trouvé que ceux qui étaient un peu plus haut, il y en a qui décrochait, mais l'autre il prenait pas la profondeur, il était un peu trop aligné. À partir de là, dès qu'il y en a un qui reste à l'extérieur, le plus offensif, qu'est-ce qui va se passer? Soit c'est ici que ça rate,
pas, tu te prends dans le couloir. Ça veut pas dire qu'on va jouer avec toi. On a l'intention de prendre de la profondeur, ou de l'autre côté, pareil. Si jamais on voit qu'on ne peut pas, qu'est-ce qu'on fait? On refait un tour derrière. Et tout le monde se repositionne. D'accord? Alors déjà, je vais m'adresser aux joueurs, ceux qui ont joué. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous? Déjà, dans un premier temps. C'était bien, c'était pas bien, c'était mieux. Mmh. Mieux pourquoi? Juste la profondeur. Combien vous avez marqué de points? Les verts. Un, les rouges. Un. Ensuite, les autres. Théo. C'était bien, c'était pas bien. Bien, bien pourquoi? Qu'est-ce qui était bien? Parce qu'on faisait souvent des appuis soutien. Ouais, il y avait des appuis soutien et tu trouves qu'après on trouvait la profondeur? Voilà, on a trouvé le joueur qui décrochait, comme on a démontré avant. Par contre, on n'a pas réussi trop à trouver la profondeur. Pourquoi? Le joueur de côté, il peut se... Le joueur de côté qui peuvent dédoubler, ouais, bien sûr. Puis qu'est-ce qu'on fait? S'il y en a un qui décroche, on a dit... Notre part, on n'est pas tellement arrivé à ça. Joueur couloir, n'hésitez pas, vous donnez vos ressorts de ballon, montez, les autres venir chercher. Ça. Comment il faut qu'elle soit? Appuyer. Appliquer. Précise. Sur un cadeau. Sur un cadeau, pour son adversaire ou partenaire. Voilà, il faut que ce soit un cadeau. Voilà, donc précise et appuyer. Ça veut dire en fait, voilà, les deux termes, ça veut dire doser. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'elle soit trop courte ni trop forte. Voilà, il faut arriver à bien doser, mais il faut qu'elle soit précise. Alors, est-ce qu'il vaut mieux qu'elle soit dans sa course ou sur lui? Pourquoi? Il peut rentrer dans le but. Ici, là, il pourra peut-être mieux l'orienter. En tout cas, il va être en mouvement. Puisque ce qu'on va vous demander après, quand il y aura de l'opposition, c'est d'être en mouvement. Là, c'est bien beau. Voilà. Il y a les prises de risque. Voilà. Il n'y a pas trop d'adversité. Quoi. D'accord? Par contre, après, quand on va faire du jeu, bien, il va falloir faire voilà, du mouvement. Comment on peut voilà, demander un ballon? Appel contre appel. Voilà, appel contre appel. Thank you.
Bon, allez, cet après-midi, pendant une heure. Une heure dix. C'est chaud. Il reste encore un jour. On va travailler sur la verticalité. Qu'est-ce que c'est que la verticalité? Non, mais techniquement. Voilà. Techniquement. Techniquement. Qu'est-ce qu'on a fait avec le ballon? Une touche de balle. On a fait quoi? Deux passes courtes pour une passe longue. Techniquement, c'est tout ce que vous entreprenez avec le ballon quand vous l'avez dans les pieds. D'accord? Alors après, on refait. Maintenant, dans le jeu, qu'est-ce qu'on a fait? Je me remets. Je remets. Là. Tactiquement, qu'est-ce qu'on a fait? Appui, soutien, et je joue pour le troisième. Donc ça, dans le, ce principe de jeu, dans l'aspect vertical, est-ce qu'on va le retrouver plus souvent que dans l'aspect horizontal, c'est-à-dire en utilisant la largeur? Alors, on veut prendre de la profondeur. On va travailler avec toujours un joueur de haut but, sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour essayer de trouver après un autre joueur sur la remise, qui lui sera plus loin, dans la verticalité.